Salut, salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez tous très très bien, hein? Désolée pour ma petite absence, mais du coup j'ai pas mal de boulot en ce moment. Alors c'est un peu galère pour moi de tourner des vidéos. Enfin bref, je suis de retour pour vous parler un peu de mes petits achats. Donc j'ai pas beaucoup d'achats à solde, hein, puisque j'ai réuni en fait des achats que j'ai fait déjà il y a 15 jours, plus ceux de la semaine dernière. Donc on va commencer par les articles non soldés, comme ça au moins ça vous fera la surprise à la fin. Alors, en habits, pour commencer. Donc, chez Vêt'Affaire, j'ai trouvé pas mal de petits shorts. Je me suis d'abord acheté celui-ci, donc qui est un bleu électrique. Hein. C'est plutôt un short, voilà, genre pour aller à la rivière, ou faire du sport, ou, enfin voilà, pas pour traîner en ville. Donc lui, je l'ai payé 2,99€. Ensuite, un short trop mimi et trop mini, c'est celui-ci. Alors, je surkiffe les motifs. C'est un truc de dingue. Par contre, faut faire gaffe parce que moi, je fais du 40 à peu près. Et ben là, il a fallu que je prenne du 42 parce qu'il taille super, super petit. Donc derrière, c'est comme ceci. Lui, je l'ai payé 9,99€. Alors ah oui, je vous ai pas dit, mais tous ces prix-là, en fait, c'est les prix avec la carte. Vous savez, parce que maintenant, ils font la carte à 6€ qui dure un an et qui vous donne droit à des réductions. Bon, sachant que c'est un peu du foutage de gueule, hein, puisque avant, Vêt'Affaire, c'était vraiment très, très, très peu cher. Et maintenant, en fait, ce qu'ils font, c'est genre, ils gonflent les prix. Mais après, ils font une grosse réduction pour ceux qui ont la carte. Ouais, ouais, bref. Passons à autre chose. Deux autres shorts, donc les mêmes d'une couleur différente. Alors, c'est les fameux shorts avec la ceinture élastique comme ceci. Donc là, petite forme de papillon en camel. Là, c'est dans les tons orangés. Donc c'est bien un short, hein, regardez. Dans les tons orangés et verts. Et j'ai pris le même dans les tons rouges et bleus. Donc j'ai déjà testé, franchement on est trop trop à l'aise dedans, c'est un truc de dingue. Donc eux, je les ai payés 3,99€ pièce. Et j'ai un legging, mais bien sûr il n'est pas là, puisqu'il est au lavage. Bref, du coup je vais pas pouvoir le montrer, mais je pense que je peux me donner du jour avec, pardon. Je l'ai payé 4,99€ et il est de plein plein de couleurs en fait. Il y a plein plein de couleurs, plein de formes différentes, il est assez rigolo. Donc, en non soldé, j'ai aussi acheté, alors je sais pas si vous connaissez, donc, à première vue, c'est des crocs. Sauf que, en fait, si vous regardez bien, la semelle à l'avant est beaucoup plus haute que celle à l'arrière. Vous savez, c'est les fameuses chaussures qui font un talon de 8 degrés à peu près. Oui, c'est ça, 8 degrés. Ça permet d'avoir une posture droite et d'affiner les fesses et les cuisses. J'en avais déjà une paire il y a un an et je les ai mis pendant un an, donc je les ai bousillées. Du coup, j'en ai racheté une. Donc ça, ça coûte 19,99€. Je les ai payées sur Groupon, cette fois-ci. Et en plus, dedans, ils nous ont mis des petits trucs tout mignons. Donc à accrocher dessus, j'ai une fleur, une tongue, papillon, fraise et un cœur. Et je crois que c'est tout pour la partie non soldée. Ah non! En make-up, je me suis acheté mon premier rouge à lèvres MAC. Wouhou! Donc, c'est le RAL de la collection All About Orange. Lui, c'est le Sushi Kiss. Et franchement, alors c'est celui que je porte maintenant. Donc c'est un orangé. Franchement, au début, je flippais un peu parce que bon, pour un premier rouge à lèvres MAC, vu le prix qu'il coûte, il faut dire la vérité, c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à pas se louper. Et j'ai tenté le orange et franchement, il me plaît énormément. Bon, c'est sûr, par contre, si vous mettez une grosse couche, moi là, j'ai atténué quand même. Hein. Si vous mettez une grosse couche, bon, vous ressemblez à un clown. Donc, 18€. Frais de port compris sur le site MAC, puisque bon, j'ai pas de MAC chez moi. Alors, on continue au niveau des chaussures que j'ai achetées dans un petit magasin. Donc,
des tennis comme ça, rose fluo, que j'ai acheté 3 euros. Et deux paires d'espadrilles, alors une en jean, matière jean, et une rouge. Donc chacune coûte 2,50 €. Et pour finir, chez Sephora, le make-up. Alors, ma petite note. Tout d'abord, j'ai acheté le coffret. Alors franchement, il est trop trop canon. Le Black XS Lexé. Donc vous avez pu voir, enfin ce qui m'a fait kiffer, c'est les petites têtes de mort en fait, qui s'accrochent sur les téléphones. Ils sont trop trop magnifiques, j'adore. Donc lui je l'ai payé 60,40 € au lieu de 75,50 €. Ensuite en make-up, des blushs. Donc deux blushs de chez Sephora que j'ai payé 2 € pièce, donc ces deux-ci. Vous avez le cannelle éclat, et le rose diaphane. Donc c'est le cannelle éclat, c'est le numéro 1, et le rose diaphane, c'est le numéro 2. Bon, 2 €. Ensuite, je me suis pris un crayon, donc pour les yeux. Alors, que je regarde. Crayon d'yeux scintillant de chez Sephora. Donc c'est celui-ci. Il m'a coûté 2 € et la teinte c'est Tangle Gold. Twinkle, ouais, Twinkle Gold. Gold. Yes. Donc c'est un rose doré, hein, vous avez compris. Et un autre crayon pour les yeux aussi. Celui-là, je l'ai payé 1 €. C'est le crayon, c'est les crayons nano en fait. Donc les petits crayons. C'est la teinte numéro 11, Silver Green. Yeah, yeah baby. Donc 1 €, je sais pas si je vous l'ai dit. Et pour finir chez Sephora, je me suis pris en fait le petit kit Fred Farrugia pour le blush que j'ai déjà en fait, que je porte aujourd'hui. Du coup, parce que bon, c'est vrai que j'ai été obligée de le laisser dans son emballage. Alors, il est trop excellent. Vous avez le miroir, hop, derrière le petit signe, et vous avez la petite pochette qui est en coton. Laine, je sais pas. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Vous faites ça, vous l'ouvrez, hop, 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 et hop. Du coup, ça vous fait votre petit kit à emporter partout. Donc voilà tout le monde, c'est pour ma première partie solde et achat non solde. Donc bon, on va continuer, hein. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'aller faire les boutiques, mais je vais essayer d'y aller pour les nouvelles des marques. Donc voilà, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Mouah.